Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, God. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. God, today, we want to thank you. Merci. Merci pour le privilège, merci pour l'honneur, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être vivant parmi les vivants, Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Ce matin encore, nous voulons, dans une attitude de gratitude, prendre un temps, marquer une pause, comme tu nous as conduit à le faire depuis toutes ces dernières semaines maintenant. Réfléchir, reconsidérer nos voies, réfléchir aussi à tout ce que tu es, réfléchir à tout ce que tu as fait. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire notre gratitude. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour la grâce qui a été manifestée par Jésus le Christ. La grâce de Dieu nous accorde la capacité, c'est vrai, d'être sauvés, d'être libérés, d'être délivrés de l'emprise des ténèbres. La grâce de Dieu nous accorde la capacité d'être détachés, Seigneur éternel, du pouvoir de Satan. Nous avons été transportés dans le pouvoir du Christ, le souverain suprême de l'univers. Mais la grâce de Dieu aussi, Père, nous a accordé la capacité de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu, d'obéir à ta parole. Car la Bible dit, ses commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qui est né de Dieu et qui a reçu la grâce de Dieu triomphe du monde et de ses convoitises. Nous voulons te dire merci, Père. Nous ne voulons pas prêcher une grâce qui nous encouragerait à pécher, mais nous voulons prêcher, annoncer la grâce de Dieu qui non seulement nous sauve, mais nous rend capables de marcher avec Dieu, de faire plaisir à Dieu, de connaître Dieu, d'être attaché à Dieu. Nous te bénissons, nous te remercions ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, de plusieurs manières, notre attitude de gratitude. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, l'expression de notre adoration en signe de reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Voilà pourquoi ce matin, voilà, Seigneur, nous voulons simplement marquer une pause et te dire notre gratitude, mais te dire simplement, Seigneur, merci. Me voici, Seigneur, me voici. Ce n'est pas un chant, mais c'est une supplication. C'est aussi une attitude d'adoration. C'est une attitude de contemplation que je veux exprimer, que je veux manifester envers notre Père et notre Dieu. Voilà pourquoi je dis, me voici, me voici. Me voici, Seigneur. Je viens tel que je suis. Me voici, Seigneur, mon Père. Éblouis, éblouis devant ta face, devant la splendeur, la majesté, la suprématie de mon Créateur et de mon époux. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, me voici, Seigneur, mon Père et mon Dieu, me voici, me voici. Éblouis devant ta face, oh mon Seigneur. Libre par le don de ta grâce, me voilà. Seigneur, je soupire et je regarde à toi. Oh, Chotorobosca, oh, Kaimashe, de te débasquer. Mais par la foi justifié, j'ai trouvé l'amour insondable et incomparable. Ah, et bien, ah, tu t'es dépouillé. Pourquoi je veux te dire, chantons majesté, majesté, chantons majesté, suprême au
autorité. Magnifique chef d'État de tout l'univers, ta grâce m'a pris tel que je suis. Là où j'étais sans valeur, mais pour toi, perle de prix, chante en majesté. Je veux te dire ma gratitude, ma majesté. Jésus le Christ, ta grâce passe ma vie telle que je suis. J'étais sans valeur, mais pour toi, tu as fait de moi une perle de prix. Voilà pourquoi je crie ce matin, majesté. Je veux te dire que tu es majesté. Ta grâce m'a tel que je suis, sans valeur, sans valeur. Pour toi, perle de prix. Voilà pourquoi je veux dire ce matin, majesté. Je veux te donner gloire, majesté. Jésus le Christ, ta grâce. Seigneur, ma gratitude, toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as appelé des ténèbres à ton admirable lumière, toi qui m'as choisi bien avant la fondation du monde, toi qui me connaissais même lorsque je n'étais pas encore formé, toi qui as dit à mon sujet, faisant l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il gouverne, afin qu'il administre, afin qu'il domine, qu'il gère, qu'il administre la terre. Toi qui m'as fait, Seigneur, exactement comme toi, et toi qui as envoyé Jésus le Christ à la croix du calvaire, je veux te dire ma gratitude pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je me livre à toi, je m'abandonne à toi, je regarde à toi et je compte sur toi et je m'attache à toi. Je ne m'attache pas à l'église, m'attache pas au pasteur, mais je m'attache à Christ, je m'attache à Dieu. Tu es le soutien de ma vie. Je te célèbre et je t'exalte, je bénirai ton saint nom. Je dis à mon âme, majesté, je reconnais que tu es majesté suprême, souverain suprême de mon cœur et de ma vie. Toi dont la grâce m'a pris tel que je suis. Ce matin, je n'en ai pas honte, non, 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 mais je veux marquer une pause et te dire ma gratitude, ma reconnaissance, mon époux, mon ami, mon trésor, mon conseiller, mon stratège. Tu es mon père, mon pourvoyeur, mon protecteur, mon défenseur, mon bouclier, mon allégresse et ma joie. Oh, ce matin, je suis reconnaissant, notre Père et notre Dieu. Je suis reconnaissant, Seigneur. Je veux dire ce matin une pause. Je veux marquer plutôt ce matin une pause. Ce n'est pas un message de plus qui changera mon cœur. Cela a été dit la semaine dernière, notre Père et notre Dieu. Mais c'est une autre expression de mon cœur, une autre attitude de mon cœur.
Et ce matin, je viens humblement devant le trône avec un cœur rempli de gratitude, avec un cœur disposé, avec un cœur sincère qui veut dire simplement ce soir, ce matin plutôt, je me livre à toi. Oui, prends tout ce que j'ai. Oui, prends tout ce que je suis. Toi qui as commencé une œuvre, toi qui as commencé à changer ma vie parce que tu as envoyé ta parole, parce que tu fais une chose nouvelle en moi. Je veux te dire ma gratitude, je veux dire ma reconnaissance. Oui, prends tout, Seigneur, de moi. Oui, mon Père, mon allégresse, mon appui, mon secours, mon soutien. Je veux te dire merci ce matin. Nous nous livrons entre tes mains, Seigneur, notre Père. Entre tes mains. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, entre tes mains, je me dispose pour toi. Je te livre mon cœur, je te livre mes pensées, je te livre mon âme. Mais encore entre tes mains, j'abandonne absolument tout, tout ce que j'appelle.
libre à toi ce matin. Magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, magnifique Christ Jésus, je me livre à toi ce matin. I surrender all, my Father and my God, unto thee, my gracious Savior. I surrender, I surrender to you. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Jésus, tu es mon Père, mon Seigneur, mon époux, ma protection, ma sécurité, mon avant, mon bouclier, à jamais le sujet. J'ai cherché ailleurs, mais je n'ai pas trouvé, voilà pourquoi tu es Jésus que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes mon Père, mots. Mon trésor, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes mots. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Notre Père et notre Dieu, notre souverain suprême, majesté, nous voulons ce matin te dire, au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des expressions de nos cœurs, parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, nous ne savons même pas comment il faut adorer Dieu, comment il faut parler de la part de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions ce matin, nous te bénissons ce matin. Tu es la plus belle, tu es la plus belle de toutes mes rencontres, tu es ma plus belle expérience. Tu es la personne la plus importante sur toute la terre. Tu es la personne magnifique, Saint-Esprit, la plus précieuse dans ma vie, dans toute ma vie. Je te reconnais, je te confesse, je te célèbre, je t'exalte, je t'adore. Mon trésor et mon Dieu, ma vitalité, ma capacité, mon allégresse, ma paix de tous côtés, ma joie, mon triomphe, ma domination, mon impact, mon influence, ma distinction, ma capacité, Seigneur, mon refuge, ma lumière, mon feu dévorant. Tu es tout ce que je veux, tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce dont j'ai besoin ce matin. Je te suis reconnaissant, je te célèbre. Ah non, moi je n'ai pas honte de te célébrer, de t'acclamer, de t'exalter dans l'assemblée des fidèles. Oui, moi je suis honoré, je te célébrerai, je proclamerai la splendeur, la beauté de ton nom. Je déclarerai ma passion, mon attachement pour toi, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, mon rocher, à jamais tu es le sujet de mes louanges. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui a simplement envie de marquer sa gratitude? Béni soit ton Seigneur.